Et je vous le disais à l'instant, le ministre de l'Enseignement supérieur et son homologue du Maroc ont procédé à la signature ce matin à Libreville d'un protocole d'accord de coopération universitaire. Retour sur cette cérémonie avec Balbine, avec nos reporters, Cédric Zengdo. Voyez le compte-rendu. Cette signature de convention entre le ministre de l'Enseignement supérieur du Gabon et son homologue du Maroc vise la mobilité estudiantine et des enseignants entre les universités des deux pays. Vieille de plus de 50 ans, le Gabon et le Maroc entretiennent des liens de coopération bilatérale dans le domaine de la recherche scientifique qui s'intensifient au jour dans ce domaine. Cette convention que nous venons de mettre en place va de nouveau renforcer et affermir toutes les relations qui sont précédentes, en particulier la formation de la jeunesse, la mobilité des enseignants-chercheurs, des techniciens administratifs de nos universités, mais c'est surtout une centralité de l'étudiant. Nous voudrions aussi en faire un moyen de développement de nos sociétés et nous allons continuer ce travail-là. Aujourd'hui, près de 6900 étudiants gabonais apprennent au royaume chérifien. La signature de ce protocole d'accord vient raffermir davantage les relations bilatérales en matière d'enseignement supérieur et de l'innovation. Le ministre de l'Économie et des Participations, Maïs Mouissi, était pour sa part à l'Assemblée nationale de la transition pour défendre deux projets de loi se rapportant à la création de deux sociétés, à savoir Fly Gabon Holding et la Socorep. On fait le point avec la presse de l'Assemblée nationale, Jules Flor Odembe et Francis Onemé. Exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le ministre de l'Économie et des Participations, Maïs Mouissi, porteur de deux projets de loi relevant aussi bien du domaine des finances que de la loi, était simultanément face aux commissions en charge de ces questions au niveau de l'Assemblée nationale de la transition. D'abord pour le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création, attribution et organisation de la société Fly Holding. Racheté entièrement par l'État, cet instrument va permettre de relancer le transport aérien dans certaines localités longtemps restées enclavées. La société Fly Gabon Holding, en abrégé FLYGH, est une société d'État placée sous la tutelle technique du ministre chargé des participations et dont le capital est entièrement détenu par l'État. Fly Gabon Holding a pour objet en tout pays, notamment dans les États parties au traité de Luanda et particulièrement en République gabonaise, la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise gabonaise ou étrangère dont l'activité est rattachée au domaine des transports aériens. La gestion, le contrôle et la mise en valeur des participations acquises. Ensuite, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création de la société de construction et de restauration des édifices publics. Face à la problématique dans notre pays du déficit de bâtiments administratifs et à l'absence d'entretien des édifices publics, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres, en sa séance du lundi 22 janvier 2024, la création de la société de construction et de restauration des édifices publics, Socorep. Société d'État, créée sous la forme d'une société anonyme avec conseil d'administration, dotée d'un capital d'un milliard de francs CFA, entièrement souscrit et détenu par l'État. Ces deux textes ont suscité moult réactions chez les députés, notamment au niveau de la mise en œuvre de ces projets de développement qui vont nécessiter de moyens colossaux. Résolument engagés à soutenir les plus hautes autorités dans cet élan de refondation, la représentation nationale a procédé, séance tenante, à l'examen au fond de ces deux ordonnances. Après plus d'un mois de pause dû au dialogue national inclusif, eh bien l'émission Les Grands Dossiers a fait son retour hier dimanche sur nos antennes. Le numéro consacré au ministère du Travail aurait tenu toutes ses promesses. Les temps forts avec Hamad Benivaka.
Le retour des grands dossiers a été d'un sensationnisme hors du commun. Face à une équipe intrépide, le ministre du Travail et ses collaborateurs ont joué carte sur table en dénonçant certaines réalités restées jusqu'alors camouflées. C'est les politiques publiques qui ont été mises en place par certains gouvernements qui ont échoué. Cherchons les raisons. Pourquoi ont-ils échoué? Pourquoi pour un pays de 2 millions d'habitants, on n'arrive pas à trouver des solutions à nos jeunes compatriotes qui sortent de l'école et les placer dans le monde du travail? Les 5 thématiques abordées au cours de l'émission ont à des moments engendré des débats houleux. Le gouvernement qui dirigeait le pays, monsieur le ministre. Mais c'est ce que je dis, ce sont les gouvernements successifs. On ne peut pas les dissocier, monsieur le ministre. Si, si, il faut les dissocier. Ils ont la destinée, ils ont la destinée. Non, il ne faut pas globaliser, il faut les dissocier. Mais bien limpide. Sous la pression de la Banque mondiale, sous la pression du FMI, on a fermé le concours. Voilà comment successivement beaucoup de nos jeunes compatriotes n'ont pas pu avoir accès au monde du travail, que ce soit au niveau de la fonction publique, que ce soit au niveau du secteur privé. Durant 3 heures, le programme phare du dimanche de Gabon Première semble avoir éclairé la lanterne des Gabonais, surtout sur les questions de chômage, du code et de la sécurité au travail. Aujourd'hui, il faut faire de la reconversion. C'est la seule solution et l'auto-emploi. C'est pour cela que le président de la République a mis en place cette banque pour vous aider. Mais cette fois-ci, vous ne serez pas seul, vous serez accompagné. En somme, selon les observateurs de la société, ce 1e numéro des grands dossiers aurait tenu toutes ses promesses. Rendez-vous dimanche prochain.